Salut, c'est Maillard, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer le live de JDR ce soir sur ma chaîne Twitch à partir de 20h dans l'univers de Dune. Je bosse à produire depuis quelques temps du scénario dans cet univers et je profite de l'occasion pour faire passer du playtest pour du boulot. J'espère que ça va passer, que personne ne va rien remarquer. En tout cas, l'occasion était trop belle. J'ai réuni des amis avec qui j'avais envie de jouer depuis quelques temps, depuis bien trop longtemps, et je suis hyper hypé à l'idée qu'on se retrouve ensemble autour d'une table. Ce soir, donc à partir de 20h sur ma chaîne Twitch, nous aurons Fred, donc le JDG, nous aurons Audio Connard et nous aurons Captain Popcorn. Tous les trois incarneront des personnages dans un scénario sur un format de découverte. Et la question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que j'ai besoin de connaître l'univers de Dune pour apprécier le jeu de rôle de ce soir ? La réponse est non. Le scénario a déjà été playtesté par ailleurs avec d'autres personnes qui ne connaissaient pas l'univers et ça s'est très bien passé. Alors Dune, qu'est-ce que c'est ? Dans les grandes lignes, c'est de la science-fiction qui se déroule en 10191 et qui oppose de très très grandes factions qui se battent soit pour de l'influence, soit qui se battent pour des idéaux, ou encore et plus généralement pour la possession d'une denrée unique qui s'appelle l'épice. Cette épice, aussi appelée mélange, est produite sur une seule planète dans l'univers qui se fait appeler Dune ou alors Arrakis. Cette planète est soumise donc à des convoitises et chacun essaye d'asseoir son influence et sa domination dans le secteur. Bien sûr, Dune, c'est bien plus que ça. On parle de famille, de fraternité, de loyauté, d'idéal, de religion, plein de choses qui s'opposent et se complètent. Je vous invite à vous intéresser au roman de Frank Herbert qui est une pépite et qui a influencé toute une génération d'auteurs. Dans ce scénario, les joueurs incarnent d'anciens criminels de guerre qui ont été mis en stase il y a quelques années, il y a quelques centaines d'années, voire quelques milliers d'années, et qui sont de temps en temps réveillés pour accomplir des missions dans l'espoir de voir leur peine abolie. Enfin, sur le système de règles, nous allons utiliser une mécanique simplifiée parce que c'est un format de découverte basé sur un concept de 2D de 20. Nous allons lancer à chaque fois qu'un test est opposé à une action, 2D de 20. Et sur chacun de ces dés de 20, nous allons devoir obtenir le plus petit résultat. Chaque petit résultat, en dessous d'un seuil de difficulté, va définir si vous avez obtenu une réussite ou non. Voilà, c'est la base. On se donne donc rendez-vous à partir de 20h sur ma chaîne Twitch où on va jouer à Dune avec Fred, Captain Popcorn et Odieux, ou alors retrouvez-moi sur Instagram où on parle régulièrement game design et narrative design. Thank you.